Les cantons et la division fédérale d'agriculture ont confié à l'Association suisse des professionnels de l'équitation et propriétaires de manèges, l'ASPM, la formation des palefreniers et écuyers. De 1969 à 1992, 172 palefreniers et 752 écuyers ont reçu leur certificat fédéral de capacité. Le palefrenier s'occupe essentiellement de l'entretien des chevaux. L'écuyer est plus spécialement chargé de leur éducation. Chaque apprentissage dure 3 ans et requiert, outre l'amour évident pour la plus noble conquête de l'homme, calme, confiance en soi, persévérance et bonnes conditions physiques. Le métier d'écuyer est trop vaste pour être parfaitement connu en 3 ans. Aussi, l'ASPM met régulièrement sur pied des examens d'écuyer première classe après 2 ans de formation supplémentaire. Celui ou celle qui a obtenu son certificat fédéral de palefrenier peut devenir écuyer après 1 an d'apprentissage complémentaire suivi d'examen. Le cadre magnifique du Haras fédéral d'Avranches, ancienne capitale romaine, est l'endroit idéal pour les sessions de cours et d'examen pour les apprentis palefreniers et écuyers, avec ses 2 paddocks de saut, 2 carrés de dressage et surtout son personnel très qualifié. Les cigognes ont adopté depuis longtemps ce lieu idyllique. 30aine de chevaux sont fournis par le dépôt fédéral de l'armée, des manèges et le Haras pour les 7 disciplines différentes des examens. Pour être admis aux examens, l'apprenti écuyer aura auparavant obtenu la licence de la Fédération suisse des sports équestres. Pour chaque épreuve, les apprentis tirent au sort un cheval qui leur est inconnu. Ils doivent s'adapter sans problème, comme leur futur métier l'exige. Un palefrenier ou un écuyer digne de ce nom doit connaître le cheval, son extérieur, son signalement, ses allures, ses tares et défauts éventuels. Comprendre le fonctionnement du squelette, des muscles, des tendons, des sabots, des différents organes internes, savoir déterminer l'âge du cheval, pouvoir juger de son état de santé en appréciant son aspect extérieur et son comportement, le présenter correctement, représente la base du métier. Pour un palefrenier, les disciplines de connaissance du cheval, du ponçage et du toilettage comptent à double. Pour un écuyer, l'équitation et le saut portent le coefficient 2. 15aine d'experts de l'Association suisse des professionnels de l'équitation ou des établissements fédéraux, par groupe de 2 ou 3, donnent des notes de connaissance. Pour les autres disciplines, s'ajoutent des notes de style, d'efficacité et de conduite. Nettoyer, lustrer, toiletter, prodiguer des soins aux sabots reste depuis toujours le meilleur contact que l'homme ait eu avec ce noble animal. Ce temps passé à préparer un cheval est très important pour le palefrenier comme pour l'écuyer qui comprendront mieux ses réactions lors du travail. On peut ajouter, un cheval mal toiletté est un cheval déprécié.
Un palefrenier ou un écuyer doit être capable de prodiguer les premiers soins. Cela s'apprend en pratique avec le maître d'apprentissage et en théorie avec un vétérinaire dans les centres professionnels. Un vieux dicton dit « pas de sabot, pas de cheval ». Le cavalier ne connaît son cheval que 20 minutes auparavant, ce qui permet de juger son adaptabilité aux montures et aux événements. Il est également noté sur la préparation, sur son comportement vis-à-vis de son compagnon, son assiette et son aisance. C'est la reconnaissance du parcours. À pied, chaque cavalier cherche les bonnes lignes et compte les foulées qui distancient les obstacles. Chaque cheval a son caractère et ses possibilités. Comme toutes les disciplines importantes comportent plusieurs phases, le cavalier qui change constamment de monture aura toutes les chances de mieux s'entendre avec l'un qu'avec l'autre. Ce couple, par exemple, a quelques difficultés. Le cheval dérobe devant l'obstacle et la cavalière doit faire une volte pour le franchir. Les examens comportent deux épreuves de saut, dont le test ASPM, dit aussi test Caprilli, consistant en figures de décontraction et passage de cavaletti. Ceci permet de juger la capacité du cavalier à obtenir une monture calme, dont la pulsion, maintenue dans les aides, toute qualité nécessaire pour mener à bien un parcours de saut. Quatre épreuves de dressage attendent le candidat au manège comme à l'extérieur. Dans un premier temps, un thème est tiré au sort, la figure est préparée et présentée, puis des questions orales sont posées au cavalier. Ensuite, deux programmes de dressage sont à présenter de mémoire. Comme pour une licence, les juges tiennent peu compte des aptitudes du cheval, mais par contre la position et l'emploi des aides sont sévèrement notés. Trois ans de soins patients de l'éleveur sont nécessaires au gracile poulain de deux jours, encore tout étonné d'être au monde, pour devenir un fringant jeune cheval prêt à être travaillé. L'homme, à travers les âges, a façonné l'animal à sa façon et pour son intérêt. Caractère, harmonie des formes, taille, performance et même couleur de la robe peuvent être sélectionnés. Mais l'instinct naturel n'a pas totalement disparu. Le futur écuyer doit le savoir et avec patience apprendre aux jeunes chevaux à vaincre leurs peurs, à obéir et aimer le travail demandé. Pour cette épreuve, le Haras fédéral met à disposition ses élèves étalons. L'attelage est de plus en plus à la mode et le Haras dispose de meneurs de classe mondiale. Pour cette discipline, seul un test écrit est demandé.
Cependant, les candidats ont la possibilité d'apprendre les rudiments de l'harnachement, de la manière de débuter un cheval et de mener à un et deux chevaux. Bien entendu, que ce soit pour l'attelage ou la monte en extérieur, chacun doit connaître les règles de la circulation. Pour être maître de son cheval et faire corps avec lui, le futur écuyer doit prouver une certaine souplesse, de l'endurance et surtout avoir un self-control de tous les instants. Ces exercices à effectuer le plus rapidement possible en une minute ont été étudiés pour tester les muscles du cavalier. Il est probable que cette épreuve soit prochainement supprimée au profit des notes attribuées lors des cours. La voltige, qui nécessite un cheval adéquat et un harnachement spécifique, est une discipline de courage, d'équilibre et de souplesse, qualité nécessaire à tout écuyer. Il en aura besoin pour le débourrage des jeunes chevaux qui le feront parfois voltiger malgré lui. Au travail de la longe, le candidat doit obtenir la décontraction du cheval, sa confiance, son obéissance et son impulsion. Le candidat est jugé sur la tenue de la longe et de la chambrière, ses commandements et le résultat acquis. Pendant les 3 ans d'apprentissage, l'élève reçoit, en plus des branches générales, 560 heures de cours pour les branches professionnelles. Ces cours sont donnés dans 3 centres, un jour par semaine. Ici, à Moudon, également à Burgdorf et au Strickhof. Au terme de ces 3 années, l'apprenti présente son cahier d'exploitation où il aura soigneusement noté tout ce qu'il a appris. Harnachement, anatomie, origine du cheval et son évolution, élevage, race, affouragement, etc., etc. Il doit également connaître la littérature professionnelle. Si, malheureusement, un candidat échoue, il peut se présenter une deuxième fois aux examens après 1 an de stage supplémentaire. L'ASPM se charge également de la formation des cavaliers de course. L'apprentissage dure 3 ans. Avant l'obtention de son certificat fédéral, le candidat doit participer à 6 courses choisies par le maître d'apprentissage. Les examens ont lieu pour les branches communes avec les palefreniers et écuyers dans les centres professionnels et pour les branches spécifiques sont organisées par les spécialistes de leur métier. L'examen réussi, le cavalier de course est engagé par un propriétaire ou un entraîneur.
Dès l'âge de 25 ans, il peut se présenter aux examens d'entraîneur B s'il est le propriétaire d'un ou de plusieurs chevaux, ou entraîneur C qui entraîne les chevaux d'autres propriétaires. Un cavalier de course doit savoir contrôler son cheval. Ici, un canter d'entraînement. L'entraîneur a demandé à la cavalière de retenir son cheval pour maintenir sa forme et non chercher la vitesse. À l'âge de 25 ans minimum, après 2 ans au moins de pratique de son métier et l'examen recommandé mais non obligatoire d'écuyer première classe, l'écuyer ou l'écuyère peut passer un examen pour devenir maître d'équitation. Le candidat doit démontrer sa capacité à gérer l'exploitation d'un manège ainsi que des qualités pédagogiques adéquates pour former des élèves. Après avoir suivi les cours préparatoires, il présente une comptabilité d'entreprise, puis est jugé par des experts sur ses connaissances pratiques. Ici, une leçon de saut de Cavaletti. Sa conception, les ordres donnés, les corrections et conseils aux cavaliers, tout est noté. Le candidat à la maîtrise doit également monter son cheval personnel dans la discipline de son choix, dressage ou saut. L'aisance du cavalier et la présentation de sa monture sont jugées sévèrement. Les examens durent 3 semaines et comprennent toutes les branches pratiques et théoriques. Au beau pays de la plus noble conquête de l'homme, Churchill disait « Dans la vie, aucune heure passée à cheval n'est perdue ». Stanislas J. Legg ajoutait « Un cheval est toujours un cheval, alors qu'un cavalier sans cheval n'est qu'un homme ». Thank you.